Good morgen, Aleiden, je suis aujourd'hui le Lunishmat Adel Batsol, Tarab le Betvanish, Claude Shlomo Ben Shalom, David Netorno Mazal Fritna et Lucien Batvana, si vous souhaitez aussi dès une prochaine étude de Dumcha. Consacrée à 5 minutes éternelles, nous étions à Seret Nazir, Perektet, Mishnah Bet, Nazir Shegilach Venodalo Shehutame, Imtuma Yedoua Soter, Vimtuma Tateom, et non Soter, Imad Shelo Gilach, Ben Kachou Ben Kach, Soter, Keisad, Yarad Lit Bol, Bamehara, venimsa met tsaf alpi amehara. Tame. Nimsa meshuka bakarka amehara, yarad le haker tahor, le taher mitumat met tame, shechaskat tame tame, vechaskat tahor tahor, shiraglaim la davar. On va parler dans notre Mishnah maintenant d'une situation que Nazir Shegilach, un Nazir qui a fini sa Nézirut, il s'est rasé les cheveux au Beth Amikdash. Et ensuite, Venodalo Shehu Tamé. On lui apprend qu'il était Tamé, qu'il était impur depuis 3 jours, il était en contact avec la mort. Il n'était pas au courant, c'est-à-dire, il a fini donc. Il est arrivé au 27e jour, il est passé dans la rue Intel, ou peu importe, comme on peut voir que le cas exactement que le Mishnah va prendre, un exemple. Tout allait très bien. 3 jours après, il finit sa Nézirut, il vient au Beth Amikdash, il apporte ses corbanotes, il finit de se raser. Et il rencontre son ami qui lui dit, tu te rappelles le matin que tu m'avais vu là dans la rue Intel? Tu sais que finalement on a découvert qu'il y avait en fait un mort enterré là-bas. On a voulu creuser pour faire quelque chose, mais on a découvert qu'il y avait des morts enterrés. C'est sûr que tu es passé par là-bas, tu es passé au-dessus du mort. Tu étais impur, cher ami. Tu te rends compte? Tu étais impur. Donc finalement il s'avère que tous tes corbanotes que tu as fait aujourd'hui, apparemment, ils sont nuls et non avenus. Tu étais impur. Tu lui en fait... apporter, maintenant tu dois te purifier, tu dois apporter un corban de Nézirut, et après vous démarrez ta Nézirut, qu'est-ce que vous dites? Alors la Mishnah me dit comme ça, c'est simple. En théorie, tu as raison, sauf qu'il y a une halakha particulière qui s'appelle que, ici c'est une tumat atehom. Alors la Mishnah me dit, im tuma yedu'a, si c'est une impureté qui était connue, qui avait des gens qui la connaissaient à l'époque, alors soter, effectivement, c'est impur. Et là, ça va contredire, et tout ce qu'on a fait, on s'est trompé, c'est-à-dire c'était une. En fait, quand on va commencer à éclaircir, c'était quoi ce kever là, ce mort enterré là, en plein milieu de la rue, et les gens, il y a des gens qui vont commencer à dire oui, parce qu'en réalité, il y a 10 ans, quelqu'un qui s'est fait tuer, et puis on l'a enterré sur place, parce qu'on était avant l'entrée de Shabbat, il fallait absolument l'enterrer plus vite, et du coup on l'a enterré sur place, et en fait, il fallait juste nous demander, donc il y a des gens qui connaissent cette impureté. Puisqu'il y a des gens qui connaissent cette impureté, c'est sauter, ça contredit, par contre. Vim Touma Tatehom, si c'était une Touma du Tehom, une Touma de l'abîme, ça veut dire une Touma inconnue que personne ne savait. En réalité, ça date d'il y a 777 ans, à l'époque de je ne sais pas quoi, il y avait eu là-bas, et puis on n'a jamais été au courant, personne ne savait. C'est une Touma qui était inconnue, il y a une halakha particulière dans le Nazir que, et non sauter, ça ne contredit pas. C'est-à-dire, tu vis ta vie, et tu avances. Si d'un coup on découvre qu'en réalité ça fait 40 ans qu'on s'était tous trompés parce qu'on était au courant de rien, il n'y a rien de grave pour les lois de Nézirut, même si on est tous impurs, bien sûr, on est tous impurs. Mais malgré tout, puisqu'on est passé par là-bas, on est en contact avec le mort, mais puisqu'on n'était pas au courant, alors personne ne savait sur Terre. Donc ça s'appelle une Touma Tateom, une Touma qui est ouais, l'abîme, les profondeurs qui sont inconnues, que personne ne sait, quelque chose de Théom, le Théom. Le ravin. Et du coup c'est une Touma impureté qui ne va pas invalider toute la Nézirut qu'on a fait pendant tout ce temps. Même mieux que ça, même un Kohen qui a fait la Voda au Beth Amikdash, ce sera le même principe aussi. Un Kohen, vous savez que c'est un Kohen, il est parti faire la Voda au Beth Amikdash, en fait, il était tamé. Tout ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Je lui apporte un Korban Khatat avec un Kohen tamé. Il y a des détails, j'en parle. Mais en tout cas, il y a des situations, en tout cas. Si jamais c'était une Touma Tateom, c'est sûr qu'on valide tout ce qu'il a fait sans aucun problème. Même d'autres impuretés, mais là ça touche à d'autres problèmes, c'est pour ça que. Imad, donc je reprends maintenant. Imad, et maintenant, ça c'était tant qu'il a pris connaissance de son impureté après qu'il a fini de se raser, de faire son rituel de Nézirut. Par contre, Imad Shelo Gilach, si on lui donne, on lui apprend qu'il était impur avant qu'il fasse ce qu'il se rase les cheveux, c'est-à-dire il a apporté ses corbanotes, il était en train de passer chez le barbier là-bas pour qu'il lui rase au Beth Amikdash. Et là-bas, il rencontre son ami qui lui dit « Oh là là, t'es pas au courant, t'étais en fait impur. » Si l'ami s'était... non. Ouais. Si jamais il était...
S'il a mis ses encore quelques minutes, il aurait fini de se raser les cheveux, c'était bon. Mais là, maintenant qu'il a, il a dit au courant, ça y est, non, c'est plus une touma qui était inconnue, ça y est, on te dit que toi aussi tu étais dans le lot, eh bien, dans ce cas-là, tu es devenu impur, tu ne pourras pas te raser les cheveux, tu dois recommencer ta nation. D'accord? Donc, Imad Shalogilar, si lui apprend, on lui apprend qu'il était impur avant qu'il se rase les cheveux, Benkar ou Benkar, sauter, hein, que ce soit comme si, ou que ce soit comme ça, c'est-à-dire que ce soit une touma tatéum, une touma yedoua, en tout cas, il contredit. Comment se présente le cas du Tumatateum? Yarad litbol bameara. Il est descendu pour se dans une grotte. Il y avait là-bas, c'est fréquent dans les lieux de montagne, si vous savez, à Yerushalayim, il y en a une comme ça que je connais, à proximité, dans une mehara, dans une grotte. C'est un mikvé naturel en fait, tu rentres dans une grotte. Et comme une mikvéhari, dieu de Sfat, que tout le monde connaît, initialement c'était un peu dans une dans la terre de la montagne, tu rentres un petit peu, et là-bas, naturellement, tu as une source. T'as un migué. Donc il est parti s'en dans une mehara. Venim tsamet tsaf à la mehara. Il est parti se tremper tranquillement au migué. Et après il est parti au Betamigdash pour apporter ses corbanotes. Et après là-bas, quelqu'un, il arrive derrière lui au migué. Il faisait sombre là-bas. Il allume la lumière. Et d'un coup, quand il allume la lumière, il voit qu'il y avait un mort qui flottait dans l'eau. On commence à éclaircir. On découvre qu'en fait ce mort, il était là depuis déjà. Hier, on avait quelqu'un qui était entre Migvé qui nous dit « Ouais, quand je suis rentré ici, j'ai senti qu'il y avait un truc bizarre là-bas. Je n'ai pas voulu m'approcher, je me demandais ce que c'était, mais... » Donc en fait, on a maintenant ce nazir qui rentrait se tremper dans le Migvé, et qu'en réalité, il est probable qu'il a touché un mort. Et on a une règle qui me dit « Safektouma birchut ayachid tamé. » Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on est devenu impur pour une touma dans le rishut ayachid, dans un endroit qui n'est pas public, tous les safek ont des tranches qui sont impures. C'est une halakha, on ne va pas entrer dedans, mais c'est... Ouais, donc il est impur. Donc là, on lui dit, écoute-moi, un mort qui flotte, c'est pas une touma tatéum, c'est une touma qui est reconnue. Elle, ça flotte, tout le monde peut la remarquer. Alors il sera impur. Par contre, nimza meshuka bekarka amara. Par contre, si c'est le contraire, qu'une fois qu'il est parti au mikvé, le lendemain matin, on a amené des gens pour faire des travaux, et on a un peu essayé de vider l'eau et de commencer à creuser. Là-bas, on découvre qu'il y avait un mort qui était enterré. Nimza meshuka bekarka, il était enfoncé dans la terre, dans le sol, Bekarka Amara, dans le sol Amara, donc personne n'est au courant. Alors la Mishnah me dit attention, c'est pas encore complètement forcément une touma tatéum, ça dépend. Yarad le Haker, Taor, s'il était descendu dans le Migvé pour se rafraîchir, donc en fait c'était quelqu'un de pur qui est parti au Migvé, ou c'est parti comme c'est. Peu importe, il est parti en tant que pur se tremper au Migvé, parce qu'il avait besoin de se rafraîchir, parce qu'il avait besoin de se tremper au Migvé avant la Tfila. Dans tous ces cas de figure, l'état donc la kertaur, si c'était juste pour se rafraîchir, il reste pur, il ne devient pas pur. Par contre, l'état mitumatmet, si par contre il était impur, parce qu'il était en contact, pas en contact avec un mort, il était en contact avec, il lui a donné, il véhiculait une impureté de mort, sans qu'il contredise sa nezirut, d'accord? Il avait une impureté, concrètement. Le principe, d'abord je dis, après ça dure, après j'explique. Donc, dans ce cas-là, il sera impur, pourquoi? Shereskatame. Parce que celui qui était présumé être impur, il reste impur. Celui qui était Bechreskat Taor, celui qui était présumé être pur, il reste impur. Parce qu'il y a une logique. Je m'explique, c'est un peu flou la fin de la Mishnah, mais elle est très simple. Ce que je vous ai dit que Touma Tateum ne rend pas impur, c'est à condition que je suis pur et je suis passé là-bas. Par contre, si je suis impur, déjà de toute façon. Par exemple, je suis parti, j'étais impur, j'étais en contact avec, on va dire, le glaive avec lequel on a joué le mort, comme on avait appris, que c'est pas quelque chose qui contredit la Nézéroute, c'est quelque chose qui met la Nézéroute en stand-by. Il a touché le glaive. Maintenant, il doit se tremper, il doit faire l'aspersion qu'il faut. Puis après, au petit matin, après le septième jour, après qu'il a aspergé les cendres de la vache rousse, il doit ensuite partir se tremper au migué. Quand il va se tremper, là-bas, il n'a pas encore fini sa purification, qu'il est re-rentré en contact avec la Touma Tateum. Alors là, la Touma Tateum va faire que si tu étais impur, tu restes impur. Si tu étais pur, ça ne va pas invalider ta Nézirut. Mais si tu étais impur et tu crois que tu t'es purifié avec une chose pareille, sache que tu ne t'es pas purifié. C'est ce que la Mishnah me dit. Touma Tateum, c'est que à condition qu'il était pur, il est parti au Mikvé pour se rafraîchir avant la Tfila. Tremper un petit peu au mikvé, c'est bien, c'est bon pour la kavana, peu importe. Et là, c'est bon. Alors là, dans ce cas-là,
si tu as été en contact avec cette tomatateum, tu pourras quand même apporter tes corbanotes, même si concrètement tu es devenu impur, mais tu pourras apporter tes corbanotes, ça s'appelle une tomatateum. Mais si tu étais de toute façon impur pour un mort, parce que tu as été en contact avec quelque chose qui véhicule une tomatomet, alors là, dans ce cas-là, la tomatateum ne va pas, on ne va pas pouvoir permettre ta purification, parce que tu ne t'es pas du tout purifié, en fait. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.